Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes... Sœur Claire, c'est le 32e dimanche ordinaire de l'année C. Dimanche où, par la bouche des Sadducéens, est posé le problème, hein, qui continue bien entendu à se poser aujourd'hui, la grande interrogation, on va dire, concernant la vie au-delà de la mort. Et Jésus répond par la parole de Dieu, bien sûr. Alors, il est dit que les Sadducéens s'approchent de Jésus et le questionne. Alors on nous précise que les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection. Les Sadducéens, c'est un parti sacerdotal. Vous trouverez leur nom en allant chercher dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 17, le grand prêtre Sadoc, ça a donné Sadducéen, donc parti sacerdotal. Il contrôle le temple de Jérusalem à l'époque du Seigneur. Et il ne considère que la loi écrite, donc tout ce qui est tradition orale, juive qui accompagne la loi écrite, ils n'en tiennent pas compte. Donc ils ont la Torah, ou ce que nous appelons le Pentateuch, pour leur foi. Et tout le reste fait comme référence pour leur foi, et ils rejettent donc toutes les traditions orales. Ils sont dans ce sens opposés aux pharisiens, qui eux sont beaucoup plus fidèles à la tradition, et qui sont en même temps beaucoup plus proches des pauvres et du peuple. Les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection de la chair, ni dans l'immortalité de l'âme. Et ça va être le problème posé ici. Et eux, ils commencent aussi en citant la parole de Dieu, en citant Deutéronome 25, 5, où il est question de la loi du Lévirat, hein, où la question est de savoir, une femme veuve, comment peut-elle donner une descendance à son mari? On va voir que tout le problème, c'est pas le mariage, on n'en a rien à faire du mariage, c'est la procréation, c'est pas le problème de l'amour conjugal, de l'union de l'homme et de la femme, qui sont l'icône de l'union que Dieu veut avec nous, non, c'est un problème uniquement de procréation. Et voilà ce que dit le Deutéronome, au chapitre 25, au verset 5, « Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle, il la prendra pour femme, il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère, le devoir du Lévirat. Le premier-né qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt. Ainsi, ce nom ne sera pas effacé d'Israël. » Bon, après, il y a des exceptions, mais en tout cas, une femme veuve et sans enfant, ça ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que son mari n'a pas de descendance pour faire vivre son nom. Voilà, c'est ça le problème qui est posé. Donc, hors de question de parler ni du célibat, ni même de quelqu'un qui n'a pas de descendance. Alors, avec le prophète Isaïe, déjà, on voyait que le Seigneur dit qu'il considère même ceux qui n'ont pas de descendance. C'est dit dans Isaïe, chapitre 56, versets 3 à 5. « L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. Et l'eunuque, alors celui qui par définition est stérile, ne dise pas, me voici comme un arbre sec. Car ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui observent mes shabbats, qui choisissent ce qui me plaît et tiennent ferme à mon alliance. Je placerai dans ma maison, dans mes remparts, une stèle à leur nom, préférable à des fils et à des filles, je rendrai leur nom éternel et impérissable. » Alors une stèle à leur nom, c'est le nom Yad Vashem, le mémorial à Jérusalem de tous ces juifs disparus dans nuit et brouillard, ils ont un nom et une stèle, Yad Vashem. Donc le Seigneur ici dit, personne n'est méprisé, personne ne va être privé de mémoire éternelle, y compris ceux qui n'ont pas de descendance. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça la question. Quand vous lisez le texte, les Sadducéens citent le Deutéronome. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter
une descendance. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant, etc. Ils moururent tous sans laisser d'enfant. Et bien qu'il n'est pas du tout question d'amour conjugal, il n'est question que de descendance. Ce qui n'est absolument pas le mariage chrétien comme nous le vivons depuis le Seigneur. L'Église ne marie pas des gens pour qu'ils aient des enfants, même si ça fait partie. Mais alors sinon, à partir d'un certain âge, on pourrait plus se marier, hein, parce qu'on peut marier des gens très âgés. Il n'est pas question de descendance. Vous voyez, le mariage, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas que la descendance et la procréation. Et alors ici, du coup, les Sadducéens profitent de cette loi du Lévirat pour ridiculiser la résurrection de la chair. Cette femme qui a eu 7 maris sur terre, ils sont tous morts. Elle a eu de descendance avec aucun, en arrivant au ciel, duquel sera-t-elle la femme, puisqu'elle n'a eu d'enfant avec aucun. C'est une manière de ridiculiser la foi dans la résurrection. Et Jésus répond hein, en expliquant que ce monde-ci n'est pas comme le monde qui vient. Hein, c'est l'expression... hébraïque, hein, c'est le verset 35, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, vous voyez une opposition entre ce monde et le monde à venir, ceux-là ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Donc il y a ce monde-ci qui est un monde charnel, ce monde des hommes, et puis au ciel on vivra quelque chose qui ressemble au monde des anges, c'est-à-dire que l'amour ne sera absolument pas banni, mais il n'y aura plus de procréation, nos corps ressuscités ne procréeront plus. Voilà exactement ce que dit le Seigneur en opposant ce monde-ci, hein, Olam Hazé en hébreu et Olam Haba et le monde à venir. Et il en profite pour parler de la valeur de la chasteté ou de la virginité pour Dieu. Et je vous lis ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un témoignage absolument indispensable et révolutionnaire par rapport au monde, au Olam Hazé, ce monde-là dans lequel nous vivons. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres amis, s'est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. La chasteté est promesse d'immortalité. Voilà. Cette vocation qui est bon, la mienne, hein, puisque c'est moi qui parle là, la virginité consacrée, ça a quelque chose d'eschatologique. Ça annonce ce monde à venir dans lequel il n'y aura plus d'union des corps, il n'y aura plus de procréation. Et on vit déjà dans une joie extraordinaire sans l'union des corps et sans la procréation. Et on annonce ainsi le monde à venir. Je fais une parenthèse parce que vous voyez, le catéchisme de l'Église catholique en profite pour magnifier l'amitié qui aujourd'hui est sabotée, hein, elle est profanée, l'amitié est profanée à cause... par le fait qu'on vante, on met en avant l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité, ça c'est un grave péché, entre autres contre l'amitié qui est très belle, et c'est ce que nous vivrons au ciel, dans cette amitié que le Seigneur a voulu pour nous. Tous ces propos concernant l'homosexualité, l'idéologie du genre, tout ça c'est du sabotage et de la perversion de ce que le Seigneur a voulu pour nous. Et l'amitié c'est très très beau, voilà. Et un homme et une femme, s'ils vivent pas d'abord dans l'amitié, bah, c'est pas vraiment non plus un couple. Il n'y a pas que l'union charnelle et la procréation. Et Jésus continue en s'appuyant sur un passage de l'Exode et pour parler de la résurrection de la chair. Je reviens un tout petit peu en arrière quand même parce qu'il dit qu'on sera semblable aux anges. Alors là, Saint Luc a fabriqué un mot. Avec deux mots grecs, il a dit qu'on serait « is angeloi ». Alors, c'est un mot qui n'existe nulle part. Parce que ce qui veut dire, c'est qu'on va ressembler aux anges par certains côtés, mais on ne deviendra pas des anges. Ça, c'est très important. On restera parfaitement nous-mêmes. Alors, un peu semblable aux anges, mais parce que ce sont des esprits, il n'y a pas de procréation, évidemment. Mais quand même, on restera nous-mêmes. « Is angeloi ». Voilà. Alors, Jésus dit ensuite que ils ne peuvent plus mourir, ils sont is angeloi, un peu semblables aux anges, ils ont quelque chose à voir avec les anges, et ils sont
enfant de Dieu et enfant de la résurrection. Je me permets de déplorer un petit peu la traduction, parce que c'est pas enfant, c'est fils, et c'est quand même complètement différent. C'est une manière juive de parler. Au lieu de dire que quelqu'un est injuste, on dit celui-là, c'est un fils de l'injustice. Au lieu de dire qu'on va ressusciter, on dit qu'on est des fils de la résurrection. Ou qu'on est des fils de Dieu, ça veut dire qu'on va être divinisé. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très précis. Vous avez par exemple, pour parler de Saint-Pierre, qui va être le saint modèle, le saint patron, on va dire, des convertis. En Matthieu 16, 17, il est dit, « Simon, fils, oh, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas. » Fils de Jonas, ça veut dire tu ressembles au prophète Jonas, tu es comme lui. Tu vas te convertir. Au lieu de dire tu vas te convertir, on l'appelle fils de Jonas. Et puis, à la fin de Saint Jean, voilà que le papa a changé de nom. Parce que ça ne veut pas dire que c'est le nom de son papa, vous voyez bien. À la fin de Saint Jean, chapitre 21, verset 15, Jésus dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Ah, ben, le papa, il s'appelait Jonas ou Jean. Je ne sais pas comment s'appelait son papa, mais il n'empêche que fils de Jonas, ça veut dire « tu vas te convertir » et fils de Jean, ça veut dire tu as été miséricordieux, tu as été l'objet de la miséricorde de Dieu. Alors, voilà ce que ça veut dire, fils de Dieu, divinisé, appelé à être divinisé, et fils de la résurrection, on va ressusciter. Voilà. Ils sont fils de Dieu et fils de la résurrection. Et puis, finalement, Jésus va citer un autre passage, également de la Torah, comme ça, les Sadducéens ne vont pas pouvoir dire « Ah ben celui-là, on ne le connaît pas, parce que pour nous, ce n'est pas la parole de Dieu. » C'est la parole de Dieu, même pour les Sadducéens. C'est un passage de l'Exode, bien connu, quand Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent. Et voilà comment il se présente, hein. Exode 3, 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Jésus s'appuie sur ce passage pour confirmer l'importance de la foi dans la résurrection. Et on remarque dans les Actes des Apôtres, hein, la première homélie de Saint-Pierre, la deuxième plutôt, quand il veut parler de la résurrection du Seigneur et de montrer que nous ressusciterons, qu'est-ce qu'il fait ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Lui aussi parle de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob en lien avec la résurrection. On dirait, bon, ça c'est la résurrection, en tout cas c'est au moins l'immortalité de l'âme. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on ressuscite avec la chair ? C'est notre foi, mais la parole de Dieu en parle déjà. Vous avez le texte du livre de la Sagesse, chapitre 5, verset 15. « Les justes, eux, vivent pour toujours. Le Seigneur détient leur récompense, le Très-Haut prend soin d'eux. » Il n'y a pas écrit « Les âmes des justes vivront éternellement, mais les justes. » Il faut se rappeler que dans la tradition biblique, l'homme fait un tout. Il n'y a pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre, etc. L'homme est un tout, une unité. Et ça, c'est dit d'une manière très claire, pas traduit comme ça malheureusement, dans le psaume 21, au verset 21, où il est dit, c'est une prière, « Préserve ma vie de l'épée, arrache aux griffes du chien ce qui fait que je suis unique. » Shouraki traduit par « mon unité ». Ça veut dire « je suis totalement moi-même avec tout ce que je suis vivant sur cette terre et je veux ressusciter en étant complètement moi-même. » Voilà ce qu'en dit saint Irénée. De même que chacun de nous reçoit son propre corps par l'art de Dieu, de même possède-t-il aussi sa propre âme. Les justes ressusciteront ayant leur propre corps, leur propre âme et leur propre esprit en lequel ils auront plu à Dieu. C'est nous-mêmes qui ressusciterons et personne d'autre. Donc résurrection de la chair, parce que la chair ça fait partie de nous-mêmes. Pour en savoir plus, 1 Corinthiens 15, etc. On a lu ces textes il n'y a pas longtemps et il suffit de les relire. Et la preuve qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, c'est ce qui est dit dans saint Matthieu chapitre 8 au verset 11. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux.
Et je termine avec Saint Cyrille de Jérusalem. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Si Abraham était mort ainsi qu'Isaac et Jacob, Dieu est donc le Dieu de ceux qui n'existent pas. Il faut donc qu'Abraham, Isaac et Jacob existent encore pour que dans ce passage, Dieu soit le Dieu de personnages existants, car il n'a pas dit « j'étais leur Dieu » mais « je suis leur Dieu ». Sœur Claire, merci.